Eh bien salut à tous, dans cette vidéo on va parler de Xiangling. Ça sera un guide complet sur le personnage, un showcase. Xiangling est un, voire le meilleur personnage pyro du jeu, mais en soi Bennett existe. Après Bennett n'est pas un des mage killers. Et aussi Hu Tao C1 avec le bâton d'Oma existe, effectivement. Mais ça reste sujet à débat, notamment dans les teams méta. Et surtout, là je parle de Tao en C1 avec le bâton d'Oma. Xiangling, c'est une 4 étoiles qui est offerte. Et elle est merveilleuse. Au début du jeu, elle était vraiment vue comme un personnage qui était DPS physique et qui était vraiment là en tant que budget main DPS pour les joueurs free-to-play. Mais maintenant, il en est tout autre. Avec les nouveaux sets, les nouvelles compos et même le fait que les joueurs connaissent mieux le jeu, Xiangling s'est révélé être un personnage qui est top tier et qui est actuellement dans les teams les plus utilisés pour clear les abysses, si vous n'êtes pas une whale, bien sûr. Xiangling, je vais un peu expliquer son kit et aussi les diverses mécaniques qui la rendent OP, notamment concernant l'ICD, l'internal cooldown. Xiangling, c'est simple. L'attaque normale, honnêtement, je ne vais pas m'en soucier. Je ne tape pas avec attaque normale, ou en tout cas pas pour faire des points de dégâts, à la limite pour générer des passifs avec des armes, mais je ne tape pas avec attaque normale. Xiangling ne tapera jamais avec. Parce que ce n'est pas une DPS physique. Vous pouvez la jouer DPS physique, mais ça ne sera pas le sujet ici. Là, on va parler de Xiangling avec son build le plus optimisé. Elle a son Goba. Alors, le Goba est une compétence qui est assez controversée, qui a 12 secondes de recharge, voilà, qui fait des points de dégâts de feu, des crachats de feu, hop, toutes les X secondes. Sauf que ce Goba, cette compétence élémentaire, est très mauvaise, dans le sens où le Goba ne peut pas bouger. C'est vraiment une des pires compétences. Et finalement, Xiangling, c'est un gros défaut d'avoir le Goba. On a vu par contre que le Goba a déposé un piment à la fin de l'attaque, qui va conférer 10% d'attaque pendant 10 secondes à celui qui les ramasse. Donc là, hop, si je ramasse le machin, là j'ai 1982 d'attaque. Si je ramasse le piment, tac, je passe donc à 2072 d'attaque. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, elle a un passif qui augmente la portée des crachats du feu de Goba. Voilà, heureusement qu'il existait encore. Et donc, c'est le Goba, c'est pas vraiment une attaque que j'aime monter. Il est là uniquement pour proc les passifs et certaines constellations. Mais le plus important est donc l'ulti. L'ulti, la pyro-rotation qui est complètement OP. Je les couronne, d'ailleurs, voilà, je les vraiment couronne. Elle dure 10 secondes, mais vous verrez qu'on peut la faire durer plus longtemps. Elle a 20 secondes de recharge et elle a un coût à 80 énergie élémentaire. Pourquoi cette compétence est OP? Parce que la multi est plutôt décent et c'est assez vite surtout. Et ça marche aussi en multi-cible. Parce que vous avez pu le voir du coup à l'intro, la pyro-rotation va donc tourner autour de Xiangling et même tourner autour du personnage actif. Donc Xiangling n'a même pas besoin d'être sur le terrain pour que la pyro-rotation se déclenche. Et ça va donc suivre votre personnage actif et donc il n'y aura aucun souci de mobilité. Mais ce n'est pas tout. La compétence de Xiangling bénéficie de deux mécaniques cachées qui ne sont pas expliquées ici dans le jeu. Il s'agit du snapshot et il s'agit d'ignorer l'ICD. Qu'est-ce que le snapshot? Le snapshot veut dire en fait que Xiangling, quand elle lance son ulti, l'ulti qui dure donc ici 10 secondes, mais ça peut être plus à l'aide d'une constellation, mais admettons, l'ulti dure ici 10 secondes, en fait, quand cette ulti est lancée, elle prend en compte donc l'attaque, dégâts critiques et taux critiques quand elle fait ses points de dégâts. Sauf que vu qu'elle est snapshot, ça veut dire que si, par exemple, vous lancez l'ulti de Xiangling dans l'ulti de Bennett qui va conférer un boost d'attaque phénoménal, et bien même quand Xiangling sortira de la zone de Bennett, ou quand la zone de Bennett se dissipera, si l'ulti de Xiangling est toujours active, et bien elle gardera les mêmes caractéristiques au moment où elle a été lancée, même si Xiangling a moins de stats à l'instant T. C'est ça qui est OP. Et donc ça marche avec tous les sorts de buffs, c'est-à-dire que si par exemple vous prenez donc Bennett plus Sarah plus un tome 3 étoiles, que vous buffez votre Xiangling et que vous lancez l'ulti de votre Xiangling, et bien pendant toute la durée de la pyro-rotation, vous bénéficierez de tous les buffs, même si ils sont dissipés. C'est ça qui est OP. Mais ce n'est pas tout. En plus de ça, la pyro-rotation ignore l'ICD. Qu'est-ce que l'ICD? Eh bien, c'est assez simple. L'ICD, c'est l'internal cooldown. C'est un timer qui se lance avec le même type d'attaque. Une fois qu'il est lancé, vous aurez 2,5 secondes de recharge avant de pouvoir faire une réaction avec le même type d'attaque. Mais ici, ce n'est pas le temps de recharge de la réaction, c'est le temps de recharge pour appliquer une aura élémentaire. Donc il y a 2,5 secondes de recharge, et donc c'est pour ça que par exemple, une ulti d'Ayaka qui tape très rapidement avec plein de tics, on se dit au début, ok, elle fera plein de réactions en boucle à chaque tic, eh bien non. En fait non, parce qu'en fait, il y aura 2,5 secondes d'attente avec cette même compétence. Eh bien Xiangling, elle ignore les CD. C'est simple, ça veut dire que Xiangling, elle n'est pas soumise au temps de recharge interne, et donc que ça soit fonte, évaporation, ou même surcharge, mais notamment du coup de fonte et évaporation, eh bien Xiangling, elle pourra les déclencher sans arrêt, sans aucun temps de recharge. Voici donc les deux raisons qui rendent la pyro-rotation OP. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on a vu qu'elle durait 10 secondes. 10 secondes, pour 20 secondes de recharge avec 80 de coups élémentaires, c'est beaucoup. Eh bien c'est là qu'entre en scène ces constellations. La C1 va faire en sorte que le Goba baisse la res pyro pendant 6 secondes. Ça c'est bien, donc ça rend le Goba utile.
à ce niveau-là. La C2, on s'en fiche, ça concerne l'attaque normale de Xiangling. Mais c'est la C4. Donc la C3, bien sûr, augmente l'aptitude, donc ça c'est forcément bien de l'ulti, mais la C4 prolonge la durée de 40% de la pyro-rotation. Et donc ainsi, la pyro-rotation devient beaucoup plus longue, et c'est super important. C'est la constellation qu'il vous faut sur Xiangling pour la jouer dans de bonnes conditions. Et bien sûr, donc la C6 augmente les dégâts pyro de toute l'équipe tant que la pyro-rotation est active. Voilà, ça c'est plutôt cool. Mais c'est vraiment la C4 la plus importante. Donc essentiellement ici, le but de Xiangling va être donc de mettre son Goba, de mettre son ulti, et puis de se barrer du terrain. Et comme ça, vous allez pouvoir jouer un personnage qui va taper, et de préférence qui va appliquer un élément sur les ennemis pour que Xiangling puisse déclencher en boucle des fontes, des évaporations, sans temps de recharge, et ça va être un carnage, et elle pourra le faire en multi-cible. Et même en mode de cible, c'est fort, mais c'est vraiment en multi-cible qu'elle brille énormément. Ça tombe bien, beaucoup de fleurs d'abysse comportent beaucoup de monstres. Mais Xiangling n'est pas exemple de défaut. Premièrement, Xiangling, comme je vous l'ai dit, elle a un coût de 80 en énergie élémentaire. Ça, c'est énorme. Son Goba est minable pour générer des particules. C'est très lent, c'est peu efficace, ça ne touche pas tout le temps, surtout quand un ennemi est mobile. Donc c'est vraiment une des pires compétences élémentaires selon moi. Ça veut dire que Xiangling a une très bonne ulti, très forte, mais qu'elle ne peut pas la générer tout le temps. Et bien c'est pour ça qu'on va prendre en compte des personnages, notamment Bennett. Xiangling ne peut quasiment pas vivre sans Bennett. Bennett, c'est son sauveur. Parce que Bennett, en plus du coup d'apporter la réseau pyro, en plus d'apporter du soin, en plus d'apporter un boost attaque qui est indécent, et on sait que du coup le boost attaque avec Xiangling snapshot, eh bien Bennett peut spam E et donc générer des particules à Xiangling, des particules pyro. Et donc Bennett va servir à Xiangling d'avoir beaucoup de particules. Mais en plus, c'était pas fini, ça c'était le cas pendant 10 mois. Mais depuis, Raiden est sorti. Et Raiden également complète énormément Xiangling. Et donc Xiangling devient encore plus forte avec la sortie de Raiden. Vous comprenez bien que ce n'est pas tout. Il faut aussi avoir de l'énergie recharge sur Xiangling. Et justement, on va voir un petit peu comment build de Xiangling. Alors, pour les armes, vous avez plusieurs possibilités. La lance free to play ultime, qui est meilleure que des lances 5 étoiles pour Xiangling, que beaucoup de lances 5 étoiles, c'est la prise raffinement 5. Elle est absolument fabuleuse, la prise à raffinement 5. Farmez-la pour Xiangling s'il n'avait rien d'autre. C'est top tier. Vous avez aussi d'autres possibilités, donc la question de la victoire. Mais bon, autant honnêtement jouer la prise. Mais vous avez aussi donc en alternative des lances 5 étoiles. Vous avez la lance de Jade, qui est la moins forte des 3 que je vais citer. Et puis après, vous avez donc la lance de Raiden, donc la lumière du faucheur, et le bâton de main. Les deux sont équivalentes, je dirais. Elles apportent chacun quelque chose d'important. Bâton de main, dégâts critiques, et lumière du faucheur, donc de l'attaque et aussi de l'énergie recharge. Donc ça dépend un petit peu de votre build. Mais ce qui est bien, c'est que Xiangling, en fait, elle est gratuite, et que vous avez la prise raffinement 5 qui est top tier. Voilà. Mais pourquoi jouer lance de Jade alors que j'ai la lumière du faucheur? Parce qu'en fait, je joue souvent Raiden avec Xiangling, déjà. Mais en plus, j'ai fait des tests avec mes artefacts, et donc ça, c'est très personnel. Eh bien, la lance de Jade m'offre de meilleurs résultats que la lance de Raiden. Parce que mes artefacts manquent de TC, et mon casque TC n'est pas assez pertinent par rapport à mon casque dégâts critiques. Donc, ma Xiangling a donc la lance de Jade ailée. Voilà. Elle est donc constellation 6. En aptitude, elle est donc 1, 5, 10. J'ai couronne l'ulti. Et les artefacts, maintenant, c'est ça qui est important parce que Xiangling, je vous ai dit qu'elle avait eu un buff suite à la sortie de Raiden. Mais Xiangling a eu un buff suite à la sortie d'Inazuma, suite à la sortie du nouveau set, le set emblème des destins brisés. Il est top tier pour elle. Ça augmente en 2 pièces l'énergie de 20%. Ça, c'est bien pour Xiangling parce qu'on a vu qu'elle avait besoin d'énergie pour justement avoir son ulti qui coûte 80. Mais en plus, un petit rappel, le 4 pièces emblème augmente les dégâts infligés par les déchaînements élémentaires équivalent à 25% de la recharge d'énergie de Xiangling. Et donc ça nous permet de vraiment d'investir beaucoup en ER, et c'est normal avec Xiangling d'avoir beaucoup de ER pour en fait faire beaucoup plus mal avec l'ulti. C'est parfait, ça se marie extrêmement bien. Donc Xiangling maintenant, en fait, vous avez un nouveau set qui est sorti récemment pour elle, la prise R5 qui est complètement OP avec, Raiden, donc Xiangling devient encore plus forte. Bien sûr, si vous n'avez pas ce set 4 pièces emblème brisé parce que vous ne l'avez pas farmé, vous n'avez pas de bonnes pièces, ce que je peux comprendre, vous avez donc évidemment d'autres alternatives. Rien ne vous empêche de la jouer en 4 pièces sorcière des flammes, si votre recette est bien. Vous pouvez également jouer 2 pièces sorcières plus 2 pièces vagabonds, si vos pièces sont très bien. Et puis évidemment, le 2 pièces nobles plus 2 pièces sorcières est aussi une très bonne option. Mais le best in slot maintenant est le 4 pièces emblème brisé. Voilà, c'est à noter. Donc, je vais vous montrer un petit peu mes artefacts, et puis on regardera un peu les stats de ma Xiangling. J'ai un sablier énergie recharge. Cependant, je pense qu'avec une team nationale avec Raiden, je pourrais me passer du sablier énergie recharge. Mais j'ai préféré, dans mes showcases, de garder toujours les mêmes artefacts. Sablier énergie recharge, donc j'ai visé TC dégâts critiques attaque pour 100, maîtrise élémentaire passe également. Alors, la fleur a beaucoup de M, ça je vous l'accorde. La plume, donc voilà, beaucoup d'énergie recharge, attaque pour 100 TC, EM. Une coupe pyro, évidemment, ça c'est très important. Et un casque dégâts critiques avec donc énergie recharge d'un pour cent.
Donc niveau stats, ma Xiangling, donc elle est en réseau pyro, mais en fait vous allez toujours la jouer avec Bennett. Enfin, vous pouvez, vous n'êtes pas obligé, mais c'est vivement conseillé. Donc je vais toujours compter la réseau pyro. Je suis donc à 1980 d'attaque, ce qui est assez bas, on y conviendra. Elle a quand même beaucoup de M avec 203, ça c'est excellent. Elle a beaucoup beaucoup de M, donc ça augmente ses dégâts de fonte et vape de 35%. Elle a 53% de TC, 123 dégâts critiques. Alors j'avoue que j'aimerais augmenter le TC un peu plus pour vraiment assurer des crits sur la pyro rotation. Mais elle a aussi beaucoup beaucoup d'énergie recharge, 212%. Comme ça, je n'ai aucun souci d'énergie, ou en tout cas quasiment jamais. Parce que même comme ça, si vous jouez sans Raiden, ça peut vous jouer des tours, vous verrez lors de la partie Showcase. Et justement, on va parler maintenant de la partie Showcase. Avec toutes les teams dans lesquelles Xiangling brille, j'ai fait les tests en Abyss, j'ai fait les tests contre les Jozor, contre un boss, donc en mono cible, et Xiangling est absolument incroyable. D'ailleurs, pour vous dire, elle fait partie de la team la plus utilisée pour clear les abysses en 9 étoiles. L'abyss 12, évidemment. Alors du coup, je vais commencer par une des teams les plus connues actuellement avec Xiangling, la team internationale avec Tartaglia. Donc c'est constitué d'un anemo, ça peut être Sucrose ou Kazuha, ou même à la limite Venti, si jamais vous avez vraiment besoin de pack les mobs. Xiangling, il va être là en tant que gros damage dealer. Bennett pour la réseau, pour le soin, pour l'ulti, et Tartaglia. Alors ici, en fait, le personnage qui fera le plus gros DPS dans la team, ce ne sera pas Tartaglia, ce sera Xiangling. Mais c'est Tartaglia qui restera sur le terrain. Parce que l'avantage de Xiangling, comme je vous l'ai dit, c'est qu'elle peut juste activer l'ulti et se barrer du terrain. C'est tout, elle n'a besoin de rien faire. Et donc ici, quel est le but? Le but est donc de faire des points de dégâts avec Tartaglia, qui fera des dégâts vraiment décents avec ses attaques normales chargées, et son ulti bien sûr. Mais surtout, Tartaglia va pouvoir appliquer en AoE, notamment avec l'attaque chargée, et notamment avec son système de contre-courant Riptide, il pourra appliquer l'hydro, et donc servira en tant que plutôt bon damage dealer, mais aussi en tant qu'enabler hydro, et va appliquer l'aura hydro. Comme ça, Xiangling pourra déclencher plein d'évaporation, de reverse évaporation, donc avec un multi de fois 1,5, et pourra en fait faire des dégâts qui sont indécents. C'était la team la plus utilisée dans la mise à jour dernière, elle l'est moins maintenant que la team nationale qu'on verra juste après, mais c'est juste monstrueux, mono-cible, multi-cible, c'est un truc de fou. Le but est simple, c'est donc une double dispersion avec Kazuha pour boost dégâts hydro et pyro, ne pas oublier bien sûr le piment de Goba, je l'oublie un peu parfois, mais c'est à noter, et surtout, ne pas oublier du coup l'ulti de Bennett. Et donc le but sera, comme je vous l'ai dit, donc de prendre le piment de Goba avec Xiangling pour avoir donc le bonus attaque, puis après de faire l'ulti de Bennett pour avoir le bonus attaque, de faire la dispersion pyro pour avoir le bonus de dégâts élémentaires conféré par Kazuha. Xiangling pourra donc lancer l'ulti, et donc, vu qu'elle snapshot pendant toute la durée de l'ulti, les buffs seront toujours là, parce que ça snapshot. Même s'ils sont dissipés, ils seront toujours comptés sur l'ulti. Et puis donc voilà, après vous prenez Tartaglia, vous faites des gros dégâts, vous déclenchez des évaporations dans tous les sens. La team est majestueuse. C'est une team que j'affectionne énormément parce que j'aime Tartaglia, j'aime Xiangling, j'aime Kazuha, j'aime Bennett également, donc c'est pour moi une team qui est super équilibrée. Il y a du soin, il y a des dégâts en AoE, des dégâts en mono-cible, on peut attirer les monstres avec Kazuha, mais maintenant, il y a une team qui est venue se placer au-dessus de cette team-là, c'est la team nationale. Là, actuellement, justement, je vous montre une team nationale avec uniquement des 4 étoiles. Donc, Xing Shu, Sucrose, Bennett, Xiangling. Donc, c'est un petit peu la team originale où, finalement, on mettait Sucrose. Ici, la team est extrêmement forte, mais je ne la trouve pas au-dessus de la team avec Tartaglia, mais elle est quand même extrêmement forte. Le but ici est très simple, c'est le même procédé. En fait, vous buffez EM votre Xiangling avec Sucrose. Sucrose aussi porte le tome 3 étoiles qui va augmenter l'attaque de Xiangling, et donc pour snapshot. L'ulti de Bennett, pareil, pour snapshot, pour soigner pour la réseau pyro. Et Xing Shu pour faire des points de dégâts avec ses épées. Et surtout, en fait, Xing Shu, c'est pour appliquer l'hydro, parce que Xing Shu est un appliqueur hydro, enabler hydro qui est magistral, notamment en mono-cible, pour que Xiangling puisse déclencher des réactions à gogo en ignorant les CD. Et en fait, vous allez jouer donc Sucrose. Une fois que votre Xiangling aura lancé l'ulti, votre Bennett aussi, votre Xing Shu aussi, et bien vous jouez Sucrose pour taper, pour faire des dispersions en plus de ça, faire beaucoup de dégâts. Donc la team est aussi extrêmement forte, mono-cible, multi-cible, et de plus, ce qui est bien, c'est que c'est une team qui est 4 étoiles uniquement. Vous avez aussi d'autres variantes, évidemment. Par exemple, vous pouvez remplacer Sucrose par Kazuha. Voilà, donc c'était une autre team nationale. Mais maintenant, vous pouvez surtout remplacer Sucrose ou Kazuha par Raiden. C'est la nouvelle national team avec Raiden. Elle est absolument OP. Elle clear tout avec aisance. Faites attention ici, par contre, ma Raiden est C3. Mais même sans cela, cette team a fait ses preuves. Quand on voit les stats Abyss, c'est la team la plus utilisée en Abyss. Elle est divine. En fait, pourquoi elle est divine? Parce que, comme je vous l'ai dit, Xiangling, son plus gros souci est donc l'énergie élémentaire et avoir l'ulti tout le temps. Bennett aide grandement Xiangling, mais parfois ça ne suffit pas. Raiden, par contre, va évidemment vous permettre d'avoir l'ulti tout le temps. Et donc là, la team est absolument indécente parce que
Vous avez toujours donc Bennett pour Snapchat avec Xiangling, réseau Pyro. Vous avez Xingqiu pour appliquer l'hydro. Vous avez Xiangling qui met donc sa pyro rotation. Vous avez Raiden qui va donc passer en ulti, faire des points de dégâts, augmenter les dégâts de l'ulti avec son E de tous les membres du groupe. Et en plus, quand elle va taper, il y aura donc de l'électro, de l'hydro, du pyro. Ça va exploser dans tous les sens. Et en plus de ça, Raiden, pendant qu'elle fera des gros dégâts à l'aide donc de Xingqiu et de Xiangling, elle va régénérer leur énergie grâce à son ulti. Et ça, c'est OP. Donc, c'est actuellement une team qui est quasiment parfaite. Mono-cible, multi-cible, aucun souci d'énergie, alors que c'est le plus gros souci de Xiangling. La réseau pyro, du soin, Xingqiu qui apporte la résistance à l'interruption. Enfin bref, il y a tout dans cette team, elle est complète. Étrangement, il n'y a pas de personne émo. Par contre, le seul souci, c'est que oui, effectivement, s'il y a plein de monstres éparpillés, eh bien, vous ne pourrez pas justement les regrouper. Ça peut être un petit défaut, mais en soi, par ça, la team est top tier. C'est la team la plus utilisée. Et si vous pouvez la tester, essayez-la. Elle est trop trop fun. Et dans tous les cas, justement, je trouve que c'est la force de Xiangling. C'est que, selon moi, dans n'importe quelle team où vous la jouez, c'est fun parce qu'en fait, le but de Xiangling, vous pouvez la jouer dans des teams quick swap où vous changez tout le temps de personnage. Et ça, moi, j'adore. Maintenant, on a vu donc ces trois teams, ou plutôt deux teams et dont une avec deux variantes. Bien sûr, ce n'est pas le seul moyen de jouer Xiangling. Vous avez aussi d'autres alternatives. Par exemple, j'ai joué une team Xiangling, double cryo et double pyro. C'est une team qui est très fun. En fait, vous prenez Rosalia, vous prenez Chongyun, mais Kaeya peut être préférable. Vous prenez Xiangling et vous prenez Bennett. Ici, le but sera simple. Le but, c'est que vous avez les réseaux pyro. Rosalia offre un boost TC. Le but sera donc d'abord de faire l'ulti de Rosalia pour booster le TC de Xiangling avant de lancer l'ulti. Comme ça, Xiangling, son ulti avec le snapshot, va garder le boost TC et le boost de Bennett. Et le boost noble de Bennett aussi, dont j'ai pas parlé, mais ça, c'est naturel. Toute la durée de l'ulti. Ici, le but sera de proc donc des fontes à gogo, de faire beaucoup de dégâts. C'est pas la team la plus performante, mais elle marche extrêmement bien. J'ai pu la tester en mono-cible. Contre le Geosaur, j'ai pu la tester en abyss. Ça m'a permis de clear. Ça fait extrêmement mal. C'est très fun à jouer, c'est du quick swap, vous faites des E de Rosalia, des E de Chongyun, des utiles de Chongyun, des E de Bennett, des E de Xiangling, vous tapez dans tous les sens, il n'y a pas vraiment d'arrêt, vous changez de personnage et faites des compétences élémentaires non-stop, vous spammez les ultis, c'est une dinguerie à jouer, c'est très très fun, je vous invite à tester aussi si vous aimez surtout Chongyun et Rosalia, la team clear extrêmement vite. Ensuite vous avez un autre type de cryo pyro, mais cette fois en fait ça va être la gagne reverse melt, ici Xiangling sera vraiment là pour faire des points de dégâts certes, mais surtout pour appliquer l'aura pyro, et aussi pour apporter la réseau pyro. Le but sera simplement d'appliquer pyro le plus possible et à gagner de faire des fontes inversées et donc de faire des dégâts qui sont absolument indécents. Voilà, les dégâts affichés sont... Enfin, ça claire tout cette team. Bon, après, là, je vais pas vous mentir, c'est vraiment Ganyu qui est la star de cette team. Même si Xiangling, Venti, Bennett y participent énormément parce que sans eux, Ganyu ne pourrait rien faire. Mais c'est Ganyu qui va briller le plus suite à ses dégâts. Donc, j'ai testé donc en Abyss, j'ai testé en Geosaur. C'est plus du coup ça, un showcase Ganyu qu'autre chose. Notez-le, Xiangling est un très bon duo avec Ganyu. Et puis ensuite, donc dernière team. Bien sûr, ce n'est pas les seules teams. Vous êtes libre de laisser place à votre imagination avec Xiangling. Là, j'ai plus utilisé les teams que je jugeais les plus optimales avec elle. Vous avez la team, donc, double anémo, double pyro. Alors, il y a plusieurs variantes, dans le sens où, par exemple, il y en a qui jouent plus mono-pyro. Donc, ils jouent, par exemple, Yuemiya ou Klee avec Xiangling, Bennett et Kazuha. Moi, je préfère tout simplement enlever un perso pyro et mettre deux anémo de pyro. Donc, de mettre Venti, Kazuha, Bennett, Xiangling. Ici, il n'y a pas de réaction à part la dispersion. Voilà. Le but sera de full boost Xiangling. Et on voit que même sans réaction, elle fait super mal. Et surtout, vous avez un gros potentiel AOE. C'est une team que j'utilisais énormément en 1.6, même en 2.0. Et même maintenant, en 2. J'utilise, elle est toujours extrêmement forte. Elle est peut-être moins forte qu'une team nationale, moins forte qu'une team internationale avec Tartaglia. Mais elle reste super pertinente selon moi. Elle fait, vous faites extrêmement mal, vous avez du soin, vous pouvez attirer les monstres avec Venti, vous pouvez faire des gros dégâts AOE avec Xiangling plus Venti plus Kazuha, tout en étant dans l'ulti de Bennett. Et donc, pour maximiser les dégâts, Venti, ce qui est bien, c'est qu'en plus, avec son passif, il peut régénérer l'énergie pyro à Xiangling s'il fait une dispersion pyro avec son ulti. Et donc, Xiangling, avec Venti et avec Bennett, n'a généralement pas de soucis d'énergie recharge. Et donc, la team marche à merveille. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Je vous ai montré un peu toutes les teams que j'ai testées pour ce showcase, pour ce guide. Xiangling est définitivement un des meilleurs personnages, même damage dealer du jeu. C'est un des meilleurs personnages pyro du jeu. Elle est devant Diluc, devant Utao en multi-cible, si on prend une Utao C0. Mais si on prend Utao C1 avec Oma, je pense que ça se voit honnêtement, parce que Utao C1 avec Oma, c'est pété. En fait, Xiangling, ce qui est bien, c'est qu'elle s'insère dans les teams les plus fortes du jeu. Et c'est donc ça sa force. C'est de n'avoir quasiment aucun prérequis sur le terrain, juste mettre son Goba et placer l'ulti. En plus, l'ulti permet D-frame, donc ça peut aider pour dodge des lames de Nid ou autre. Elle apporte la réseau pyro, elle ignore les CD, elle est juste incroyable cette Xiangling.
Seul souci, c'est donc son énergie élémentaire et son Goba, mais l'énergie élémentaire, on peut pallier à ça grâce à Raiden et grâce à Bennett, et aussi grâce, eh bien, aux 4 pièces en même brisée, en investissant beaucoup dans l'énergie recharge. Et elle est peut-être dans mon top 3-4 étoiles, avec Bennett et Xingqiu. Franchement, si vous hésitiez encore à tester Xiangling, foncez. Passez le cap, vous verrez, vous serez ravis. Surtout qu'en plus, vous avez tous les outils, vous avez la prise qui est gratuite, vous pouvez donc farmer sur cette 4 pièces emblème. Mais ce qui est bien, c'est que le 4 pièces emblème et même le 2 pièces Shimenawa sont extrêmement utiles sur plein de personnages, donc c'est pas du gâchis de farmer le 7. Donc c'est forcément bien pour elle et même pour plein d'autres personnages, donc c'est pour ça que c'est incroyable. Elle a plein de teams à disposition, elle est très versatile, très polyvalente, elle ne demande pas une grande présence de terrain, mais elle fait super mal off-field sans être là, et dans la plupart des teams c'est elle qui fait les plus gros dégâts alors qu'on ne la voit pas, uniquement on voit juste sa pyro-rotation. C'est donc pour moi un très bon investissement, d'ailleurs c'est pour ça que je les couronne, et vous savez que je couronne très peu de personnages, vous savez aussi que je mets 90 très peu de personnages, je l'ai pas fait pour rien, je l'ai fait vraiment parce que Xiangling, je l'utilise partout, et ma team préférée actuellement est la team nationale et la team internationale. De plus, Tarta arrive bientôt, et Tarta Xiangling c'est un voire le meilleur duo pour Tartalia, donc si vous comptiez pull Tarta ou le jouer, c'est parfait. Écoutez, j'espère que le guide vous aura plu, qu'il vous aura aidé à comprendre comment Xiangling marchait et pourquoi elle marchait notamment avec ses deux mécaniques cachées, Snapshot et Neural LCD. J'ai pris un grand plaisir à faire le guide, ça fait longtemps qu'on me le demande et je peux enfin du coup apporter un guide qui respecte le personnage sur ma chaîne. Donc je suis content. On se dit à la prochaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Dites-moi ce que vous pensez de Xiangling dans les commentaires. Il y a mon Twitter, ma chaîne Twitch et mon Discord dans la description. On se dit à la prochaine. Portez-vous bien et à plus, et vous me verrez jouer en stream sur Twitch. Très souvent avec Xiangling.